All'ombra delle armi quest'arma guerriera vendetta farà. All'ombra delle armi quest'arma guerriera vendetta farà. Quest'arma guerriera. All'ombra delle armi quest'arma guerriera vendetta farà. All'ombra delle armi. Troisième acte. Achille, ayant compris qu'il n'aura jamais Cornélia et qu'il a été trompé par Ptolémée, décide de se rallier à Cléopâtre. Mauvais choix. La médiation, c'est assez nouveau. Enfin, je pense que la médiation, on s'en rend compte qu'on en a besoin. Après, on a différents discours sur la place qu'on occupe par rapport à la médiation. Aujourd'hui, moi, je trouve que la médiation commence un peu à changer de visage. Ce que j'aimerais bien, Irène, en revanche, c'est que tu gardes ta bouse à la main. C'est compliqué. Moi, j'aime bien le truc et tu gardes, tu vois, le truc qui change. Ah, le... Ouais. Ouais, tu gardes ça. Avec troisième acte et ça marche. J'ai l'impression qu'il y a à plein d'endroits des gens qui prennent conscience que c'est pas juste une ligne budgétaire, que ça a du sens non seulement pour mettre cette musique à disposition, pour reconstruire des publics et pour créer du lien social. Enfin, pour moi, ça va jusque-là. C'est-à-dire qu'en fait, la musique nous permet de rentrer en contact avec des gens avec qui on a a priori pas d'un coup de tombe crochu. Genre, les chefs de service ! Ou chanteur de sa génération, on s'en fout, quoi. Ah ouais. Tu vois. Qui fera de lui le successeur du chef de service? Ou fera de lui sacré meilleur chanteur de sa discussion? La musique, étant donné qu'on s'adresse à un truc émotionnel, on est complètement apte à s'en parler, à se dire, bah, on aime ou on n'aime pas, qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas, pourquoi, foutre un peu de côté les a priori, et puis de voir après, vraiment, voilà, intrinsèquement, ce qu'est la musique, qu'est-ce que ça raconte. Le transit a l'air super dense, non? Oui. Plus haut, je pense, la partoche. Le sujet ne se nourrit que de thèmes historiques, ouais, ou mythologiques. Ouais. Rien de très léger. Ouais. C'est peut-être J'ai la double casquette du musicien d'ici, professionnel, donc chanteur, et puis du type qui aussi a fait de la mise en scène, de la médiation, qui s'est confronté à des publics, qui a un peu vu ce qui fonctionnait ou pas, et ce qui fonctionne, c'est le lien qu'on va créer en fait, dans la médiation. Donc c'est-à-dire que ce n'est pas tant le contenu pédagogique qu'on devait développer, que comment on arrive à dire bah, voilà ce qu'on fait et comment on vous le met à disposition sans condescendance, sans jugement moral, sans dire il y a des choses bien, des choses pas bien. Qu'il n'y a pas besoin d'avoir une culture, il n'y a pas besoin d'avoir un niveau social, qu'il n'y a pas besoin pour se mettre à disposition et puis se mettre en résonance avec ce qui se passe. Mais que ce soit la musique, la danse, le théâtre, tout ce qui est forme d'art. Fait un espèce de brainstorming, un truc collégial, en faisant un plan. Et moi, après, je les ai aidés à le rédiger pour en faire une chose un peu théâtrale. Je leur ai dit, voilà, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce que vous voulez montrer? Donc, et de Jules César, et du spectacle que les enfants vont voir, les collégiens, je crois. On ne présente pas Jules César, on présente celui-là. Donc moi, j'ai vu la metteur en scène, j'ai vu Marguerite, on a travaillé ensemble. Et à partir de ce qu'eux voulaient tirer de l'opéra, des choses un peu évidentes comme les choses emblématiques de l'opéra baroque, donc l'aria da capo, la basse compagnie, ces choses-là. C'est des personnages qu'ils ont choisis, qui sont venus aussi dans des exercices qu'on a fait de prise de parole. En fait, je leur ai dit, donnez-moi plusieurs couleurs, plusieurs choses. On a eu des exercices aussi. Je les ai fait bosser, justement, cette prise de parole en public, du langage non-verbal, de ce que leur compte, ce que leur corps raconte. Et je leur ai dit en permanence, vous êtes des conférenciers, mais vous avez des corps. Et quand vous rentrez sur une scène, que ce soit une scène de spectacle ou une scène de conférence, on vous voit. Donc, c'est-à-dire que votre corps raconte votre malaise, raconte le fait que vous ne connaissez pas votre texte, etc., etc. Giulio Cesare in Egitto. Traduction, Jules César en Égypte. De Georg Friedrich Händel. Traduction de Georges Frédéric Händel. L'action se déroule en Égypte. En 48 avant Jésus-Christ. Les personnages sont tous historiques. Nom, Jules César. Âge, 50 ans. Profession, empereur romain. Adresse, Rome. Et en fait, les caractères se sont développés parce qu'ils sont. On a cherché, nous, à caractériser vraiment quatre personnages très, très différents et qui nous servaient dans la médiation. Ça nous permet d'avoir des dialogues entre, effectivement, un professeur un peu docte, un interne premier de classe,
un interne en médecine un peu à la rue et une infirmière un peu cliché de voilà. Mais ça n'a rien à voir avec ce qu'ils sont dans la vie, bien évidemment. Alors ? On a ? Alors, l'estomac est souple, le trajet de l'histoire est plutôt clair, mais on remarque régulièrement des arias da capo dans le parcours. Des quoi ? Des arias da capo. La forme par excellence de l'opéra baroque. On a une première partie, une deuxième partie dans une couleur complètement différente, et une troisième partie qui est un retour exact à la première partie. En fait, capo, ça veut dire tête en italien. C'est un air qu'on reprend depuis la tête. Je ne suis pas moi conférencier, je suis quelqu'un qui vient de la scène, qui aime ça, qui trouve qu'il y a une force de conviction liée au jeu que je mets à disposition des médiateurs en disant, je leur dis en permanence, vous n'êtes pas comédien, on ne fait pas du théâtre. Mais la théâtralisation rend la médiation efficace dans le sens où vous portez une parole. Et à partir de là, oui, vous allez convaincre des gens. Profession, roi d'Égypte, adresse Alexandre. Jeune et ambitieux tyran, petit frère de Cléopâtre, mais aussi son mari. Comme ça, c'est plus simple pour être sûr de régner. On peut dire qu'il est un peu à côté de ses baskets, ce petit Ptolémée. Sa grande sœur ne cesse de l'humilier pour accéder au trône, et lui, il ne trouve rien de mieux que de faire décapiter un homme pour accéder au trône, et puis, tant qu'à faire, de déclarer son amour à sa veuve. On a quelques informations importantes portées par une théâtralisation qui fait qu'en plus le côté ludique, on le sait aujourd'hui, hein, quand on est dans un état d'âme qui est plutôt positif, plutôt là, on retient beaucoup mieux les choses et on a un impact qui est plus important sur la pédagogie qu'on donne. Donc en fait, c'est mettre ce contenu pédagogique, parce que malgré tout, ils disent plein de choses hyper intéressantes sur l'opéra et sur la musique baroque, mais dans un contexte qui est désacralisé, qui est vif, qui est rythmé, qui est un peu drôle, qui est un peu décalé et qui marque, à mon avis, plus les esprits et qui rend surtout, encore une fois, les gens conviés au spectacle. Et on leur dit pas, voilà, alors c'est un truc, mais hey, de fait, vous y connaissez rien. C'est des choses un peu, ouais, un peu compliquées. La quoi. Rivalité entre Ptolémée et son général Achille pour séduire Cornélia. Mais l'opéra se termine bien. Achille est mort au combat et Ptolémée a été assassiné par Sesto. Cornélia aura enfin la paix. César et Cléopâtre triomphent sur ces cadavres fumants. Mais qu'à cela ne tienne, tout le monde se réjouit. À la bonne heure. Voilà, vous avez raison. Voilà. Moi, j'ai une question. Ouais. Vous avez fait du théâtre pas du tout, non. Non. Pas du tout. On en fait un peu ici. Ouais, beaucoup. Mais là, ça va maintenant. Parce que la première, c'était il y a une semaine, donc ça va. Ça fait 2 mois qu'on travaille là-dessus, même plus. Parce que c'est très long à apprendre. Là, en plus, vous avez vu que des extraits, normalement, ça dure 3h30. Ouais. Bon, là, je fais pas que le méchant, vous avez vu, je fais un peu le mort un moment, le combattant, le machin. Et ça, tout ça, il faut l'apprendre, quoi. Voilà. Ça vous a plu ? Ouais. Vous avez une partition pour ouais, bah oui, bien sûr. Vous apprenez par rapport aux notes, donc vous avez fait tout ce qui est solfège. Bien sûr, ouais. Mais même, je suis encore en train là. Ouais. Oui, on a une partition, mais évidemment, sur scène, on n'a plus le droit de la voir. Du coup, c'est tout par cœur. J'ai envie de retourner à l'opéra parce que c'était, enfin, c'est quand même hyper impressionnant les voix qu'ils ont. Et puis c'est bien, c'est intéressant. Le décor était très beau, y avait de la couleur. Les voix étaient impressionnantes, le fait théâtral, c'était pas mal, tout était bien, enfin, tout était fait pour que ce soit, c'était vraiment très très beau à voir et à entendre. Donc je pense que le théâtre était réussi. Alors, les jeunes au début qui ont présenté le spectacle, j'ai trouvé ça bien parce que ça amenait un peu d'humour dans l'opéra, du coup c'est bien. J'ai trouvé ça juste incroyable, enfin, j'aime beaucoup le son. Abonnez-vous à la chaîne. C'est juste incroyable, j'ai beaucoup aimé la musique.